Et bonjour, le retour de vos quatre cons préférés. 1, 2, 3, 4, voilà. L'appel rapidement d'ailleurs, Étienne. Présent. Thomas. Toujours debout. Yvan. Il est pas là. Il a levé la main, il a levé la main. Ah d'accord. Messieurs, dames, les plans de caméra sont volontairement serrés pour ne pas dévoiler ce qu'il y a derrière nous. Et on ne l'a pas vu non plus, d'accord. Nous vous proposons donc aujourd'hui deux visions du camping. L'une dans le véhicule le plus petit disponible sur le marché d'un point de vue mobilité habitable sur roue. L'autre est le camping-car de luxe, luxe, luxe. C'est même plus un camping-car, c'est un camping-bus. Ah d'accord, ok, très bien. Voici comment on va procéder. Nous allons donc nous départager en deux équipes. Deux personnes parmi vous vont juste regarder la vidéo. Comme tout le reste des gens. J'ai vu tes stats, ouais, c'est beaucoup plus sympa. Ah, il y en a deux qui s'entraînent Ken actuellement. C'est possible. Coucou. Ah, il y en a qui disent hé, Amixem on chill. Attention, à la fin de la journée, on devra faire une soirée chez les uns et chez les autres et comparer quelle est la meilleure soirée. Parce que c'est pas parce qu'on a le plus d'argent qu'on passe forcément le meilleur moment en réalité. Si. Très belle leçon de vie. Ah oui, ok, pas de leçon de vie. Alors, pas de leçon de vie. Comme nous sommes sur une vidéo van life, un petit peu le rêve de tout le monde en ce moment, on va aller à un spot de rêve ce soir avec nos deux véhicules et faire deux propales de soirée. On se jugera et on élira la meilleure vision du camp possible parmi ces deux extrêmes. L'équipe qui sera dans la tiny caravane aura 1000 euros de budget pour organiser sa soirée, voilà. Tandis que l'équipe dans le camping-car de luxe n'aura que 100 euros. Mais un camping-car de luxe. Un camping-car de luxe. Et puis 100 balles, c'est déjà pas mal. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par EcoFlow, c'est une marque de batterie dont on a déjà parlé sur la chaîne. Petite voix off. Hey, toi, tu serais pas un voyageur, un globe-trotteur, un van-lifer, un tiny-homer? J'ai inventé ces mots, ils n'existent pas dans le dictionnaire. Je les ai inventés pour paraître un peu cool. Ça n'a pas marché. Par contre, ce qui est cool, c'est le nouveau système électrique Power Kit d'EcoFlow, conçu spécialement pour les espaces restreints. Il permet de les équiper électriquement dans la plus grande simplicité, avec un gain de place absolument énorme. Pour les nuls en électricité comme moi, mais c'est un pur plaisir. Surtout avec le système de sécurité BMS intégré. Ah, je dors sur mes deux oreilles dans ma caravane, c'est moi qui te le dis. Power Kit, ça permet de combiner intelligemment toutes les entrées et sorties électriques et de stocker l'énergie sur des batteries jusqu'à 15 kWh. Toute l'installation est contrôlée intelligemment grâce au magnifique Power Hub et évidemment l'application EcoFlow. Et tu peux recharger ton parc de batterie grâce à de multiples sources, comme par exemple les panneaux solaires, l'alternateur du véhicule, un générateur intelligent, ce gars qui pédale, il fournit de l'électricité. Alors ça va pas vite, mais il est assez performant quand même. Ou alors une prise de courant. C'est basique, mais ça marche. Alors si tu te sens concerné par ce magnifique produit, que tu es un aventurier de la route, eh bien n'hésite pas à découvrir les Power Kits dans la description. Énorme soutien à la chaîne comme d'habitude. Et merci EcoFlow, très bonne vidéo. Messieurs, est-ce qu'on est prêt pour se départager, pour choisir les équipes, pour choisir les budgets et les véhicules? Comment on fait pour départager des sujets de société quand on est au camping? Une bonne pétanque? Allez. Messieurs, nous allons jouer pour un véhicule qu'on va garder toute la journée. Je vous propose de vous retourner tout de suite. C'est presque un bus. Il y a marqué Palace. Ah ouais. Et au risque de citer Thibaut InShape, dame légende. Franchement, j'ai fait ma vidéo. Oh. Je vous laisse. Ah, ciao l'artiste. J'ai quand même du mal à croire que tout ça tienne sur des petits trous comme ça. C'est vrai qu'il y avait ça aussi, bousy, bousy. Ah mais c'est ça. J'avais pas vu. Ça, on le tire à pied. Il n'y a pas de véhicule prévu. Faut le dire quand même aux gens, aujourd'hui, il fait 40 degrés. Oui. Ça, là-dedans, ça va être un enfer. Ça s'appelle pas une caravane, ça s'appelle une remorque. Ou un micro-ondes. Ou un micro-ondes, si c'est vrai. Vous voulez découvrir l'intérieur de ce véhicule? Ouais. Eh bien, ce sera tout à l'heure. Ce sera les équipes, bien sûr. Ça, c'est du teasing. Attends, mais gros, regarde, regarde. Je force même pas. Alors que regarde, regarde. Je force. Oh, ah non. Messieurs, dames, c'est l'instant cochonnet. Alors, collègues, on a fait cette partie de boule. J'ai les boules. Tiens, c'est le plus jeune qui lance le cochonnet. Ah, c'est moi. Fais donc une trace aussi au sol, un demi-cercle. Ah, mes nouvelles chaussures. Vas-y, fais-le, toi. C'est pas un vrai campeur. Ça, c'est un vrai campeur. Voilà. Tu jongles avec des boules en métal. Par contre, il n'y en a que deux. Il y a un côté danger, mais un côté... Non, mais je saurais jamais le faire avec trois. Putain, mais pas mal quand même. Hein. Ah, ça, ça a pu faire mal à un orteil. Je commence. Ça fait le cochonnet, plus ça. Enfin, je veux dire, le plus jeune va dans le bus, ça après, va, c'est quoi, non? Alors il a très mal lancé. Oh oui, très oh non, c'était pas si mal en vrai. Ça va. Allez, champion. Dans le sens des aiguilles d'une poutre, on y va. Juste très rapidement, il n'y a pas d'aiguille sur une poutre. Ok. Soit c'est moi. Oh, va crever. Essaye de tirer sur celle de Thomas. C'est très orienté comme conseil. Il n'y a pas du tout de geste. C'est pas mal. Avec la perspective cavalière, on est. C'est de la merde, c'est de la merde. La perspective cavalière, elle t'emmerde. T'es le plus loin. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-le là, regarde. J'y vais. C'est mon loquet ça. Et c'était pas du tout un avantage de commencer, Yvan. T'as eu du courage en vrai. Garde-le, lui. Oh là là, c'est le plus loin. Fou. Pas si pire, hein. Yvan, t'es le plus proche. Ah, c'est Thomas ou Étienne, je sais pas. Mais après, si tu veux y aller, Thomas, vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je veux pas y aller. Bah, vas-y, bah, je fais alors, je fais. Allez, champion. Ah, ta mère. Oh, t'as pas eu de Thomas, trop... par contre, mec. Ah, ça veut dire que tu dors là, Yvan. Non. Ce que tu peux faire, c'est que tu tires sur le cochonnet et tu la rapproches de la mienne. T'es vraiment en position de donner des conseils. Ah, putain, c'est trop de pression. Ouais, ce métier, il est terrible.
Putain. T'as rapproché qui? Moi? C'est Étienne. Ah non, Étienne. Oh putain. Oh, ça détermine beaucoup de l'ambiance de la journée quand même. Ouais, 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 ouais. Surtout si t'es pas dans le truc de luxe, tu vas être con, putain. Trop fort. Bah oh. J'ai vraiment aucun intérêt à acheter cette boule. Toi, tu fais ce que tu veux. Ah si, je peux sauver Maxime. Vas-y, pousse-moi, Maxime. Pousse-moi. Oh, je t'ai visé, mec. J'ai essayé. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Moi, je suis là, hein. Moi, je suis là. C'est bon, c'est fait. Attends, on est tous les deux dans la tanière. Ouais. Ouais. Je suis deg de fou. Est-ce que vous croyez que si j'écris palace dessus, ça, je peux vous piquer les lettres? Elles ont l'air autocollantes, là, non? Vous avez une boule d'attelage? Ça serait larrant, ça. Ça serait larrant qu'on vous tire. Juste par rapport à la soirée, la côte de bœuf. Moi, j'aime ça. Ah ouais, donc faut qu'on les rince en plus, non mais. Est-ce qu'avec 1000 balles, on peut louer un camping-car? Putain, peut-être. C'est vrai que toi, putain, tu payes pour tout, pour tout. Et même pas, tu profites du luxe. Moi encore, à la limite, ok, tu vois. Hey, Yvan, ouais. Truc de malade. Quoi? En fait, genre, ça paraît petit. Et quand tu regardes dedans, en fait, c'est pire. Non mais genre. Attends, quand je m'appuie et que je t'écoute, il y a le véhicule qui. Si je m'allonge là au sol, je fais la longueur de la caravane. Messieurs, dames, passons à la visite. Eh ben, bonne visite, les gars. Eh ben, ouais, c'est ça. Non, moi, vous n'êtes pas lavé les mains, je... Un petit truc, ouais, avant que vous passiez à votre trois visite. C'est trois fois rien. C'est un détail. Alors juste, souvenez-vous de ce moment dans la vidéo des radeaux. Juste faites gaffe quand vous montez, vu que vous n'avez pas de marchepied. Vous faites pas mal. Ferme ta gueule. Le connard. Ah, je l'ai le moment dans ma vidéo où je me la pète parce que j'ai une marche. Parce que c'est chiant de faire ça quand t'es riche. Ouais, alors que là, tu vois, c'est plus agréable. Mais il fait super frais là-dedans. Ah ouais, il y a fraîcheur et fraîcheur. C'est marrant, t'es vite attiré par tout ce qui se passe là, quoi. Ouais, ouais, j'ai pas envie de... Oh putain, regarde, mec, la meilleure place. Ça va, maman? Je me mets là parce que je vomis, après sinon derrière. Alors globalement, il va falloir meubler, Yvan. Ouais, bah j'y viens. Quand on est allongé, bah pour pas que ça penche, on met un petit pied. Voilà. Non mais d'où t'as des placards au-dessus du... Tu vois, genre normalement dans ta voiture, tu gardes tes papiers dans la boîte à gants. Là, t'as le choix. Tu peux en mettre des paires de lunettes. Hein. La prod tout à l'heure a mis un coup de chiffon dessus, elle a basculé. Je montre aux gens. Vas-y. Voilà. Ce problème, Yvan, a été solutionné par les ingénieurs de chez Palace par un système très simple, la double roue. Pourquoi nous on n'a pas de double roue? On fait peut-être un tour de tous les placards. Oh, voilà. Oh là, d'accord. Déjà, on doit équilibrer notre véhicule, chose qu'ils n'ont pas à faire eux. Ah, oh, ça me saoule. Dessus du cul, je... Bon, on rentre à l'intérieur. Du cristal, ça. C'est vraiment du cristal en plus. Hé, hey, jeune, vous aussi vous avez des accessoires ou pas? On n'est pas encore rentré, fallait d'abord équilibrer. Ah ok, ça marche. On va essayer de pas se projeter sur ce qui se passe à côté. Ouais non, vraiment on n'y pense pas quoi. On a peut-être une petite clim dedans, non? Dis oui s'il te plaît. Aucun espoir. Sinon t'as ça, c'est un turbo-ventilateur. Ah c'est génial ça. Ah oui, parce que voilà, ici en fait t'as des moteurs électriques pour éviter de tourner les boutons. Ouais, parce que flemme quoi. Dès qu'il y a le mot turbo dans un truc, en général c'est que du plaisir. Toi tu t'y connais en attache caravane? Bah ça c'est la fameuse caravane sur la boule. Ça c'est l'alimentation pour les feux arrière, certainement pas pour notre confort. Et c'est tout. C'est tout. Ouais, on fait vite le tour hein, en fin de compte. La cave à vin tout de suite? Ah la cave à vin tout de suite, c'est vrai. Ah non, c'est le frigo. Écoute, je te propose un truc. Tu ouvres ici, j'ouvre à l'arrière et on se rejoint au milieu de la caravane. Allez, à tout à l'heure. 3, 2, 1. Ça marche pas. Ah, j'ai réussi à ouvrir. Là, t'as le panneau de contrôle. Ça permet d'avoir en fait un visuel complet sur l'ensemble de l'autonomie de tes batteries. Et tu peux leur dire en fait, c'est-à-dire juste avec l'écran, sur quoi tu veux les balancer. Bref, la gestion de tes batteries GoFlow se passe directement avec ce panneau maintenant. C'est bien fichu. Ouais, je pense que c'est pas mal foutu. Ouais. Alors moi, il y a un happening. Je suis loin d'être déçu. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent pas très bon. Pourquoi j'ai l'impression qu'il fait pas si chaud? Franchement, il fait pas si chaud. Alors? Non, il fait pas si chaud. C'est génial. Les water peut-être? Alors les water, non, c'est pas les water. Ça c'est un placard à balai. Ça peut être des water si la soirée tourne mal, mais faut aimer faire ses besoins dans tout ce qui est placard. Viens voir, il y a une imprimante. Pourquoi une imprimante? Ah non, ah, putain, je croyais que c'était un scanner. C'est un frigo? Là, c'est un petit frigo, gros. Pourquoi il n'y en a pas un plus grand pour qu'on puisse se mettre dedans? Il est là. Toilette avec chauffage. Et celui-là, il y a un turbo-ventilateur? Ah non, dommage. Juste pour voir les étoiles en faisant caca. Elle est super bien, la cuisine. Ouais, franchement, c'est cool. Sincèrement, il n'y aurait pas ce véhicule à côté, je trouverais ça vraiment parfait. Je suis d'accord. C'est la première fois que je vois une douche aussi grande dans un camping-car. Ouais. On fait le test pour voir si on tient un dos dedans? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ça me paraît essentiel. Je vous en prie. Tu peux faire l'amour dans cette douche. Nous allons faire l'amour dans cette douche. En plus, regarde, tu peux juste t'accrocher là. Ouais. Tu peux baisser la caméra, s'il te plaît. Ok. D'accord, ok, ça marche comme ça alors. Tu vois là, il y a de la place encore, tu peux même poser tes mains sur le sol. Ouais. Je peux régler l'eau chaude en même temps. Non, mais c'est très pratique. C'est fou. C'est très convivial. Ok. Le lit, c'est peut-être trop tôt, non? C'est très convivial, hein. Il y a un peu de rangement quand même, hein. Non. Non, c'est vrai. Non, il y a un filet au plafond, c'est tout. Mais par contre, ils m'ont surpris avec leur petit frigo. Hein. Vraiment. Y a rien à dire.
On n'a rien à dire. Oh, ça donne pas envie de te confier sur ta vie, Étienne, là. Là, mais ce soir, on va faire des choses. Hein. Je pense qu'on va en apprendre plus sur nous-mêmes. C'est vrai, t'as raison. Tu te rappelles le moment de la vidéo où je t'ai regardé droit dans les yeux et je t'ai dit, Yvan, je fais pas si chaud. Et en fait, c'était pas vrai. Tu aimes Las Vegas? Oui. Je te l'amène à la maison. C'est nul. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai même pas besoin de surjouer, que je suis dépité. Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas capté. J'arrive en courant parce que je peux me permettre. Ah, let's go! Là, concrètement, tu peux que être sur un bord de route de mort, tu vois. Non, parce que tu peux la tirer à la main. Et personne viendra te dire, pop, 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 pas de véhicule motorisé. Pas motorisé, c'est moi qui le tire. Ce qui me fait marrer avec les télés comme ça sur V1, c'est qu'au final, tu peux regarder le meilleur film du monde, le meilleur spectacle, ça reste ça. Ah, dommage. Ça reste ça. Pour rester appuyé dessus. Ça reste ça. Alors par contre, ce qui est pratique pour pouvoir faire le repas, quoi. Oh, une table de ping-pong miniature. Non, c'est pour manger ce soir. Comme ça, on pourra être en tête à tête. Je pense qu'ils ont une table en marbre dépliable. Non mais attends, Thomas, il a pas encore appuyé sur le bouton qui fait... C'est vrai. Fucking Avengers. Attends. Et voilà. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Bah ouais. Il y a quand même un petit rideau pour plus d'intimité. Quand j'ai... Arrête. Fait que je te balade un peu. Allez. Bon, à cause de notre budget de 100€, on risque de bouffer des apéricubes dessus. Yvan, est-ce qu'on n'aurait pas épuisé le fun de cet endroit-là? Mais le fun de cet endroit, on l'a épuisé à la seconde où on a vu cette caravane de mort. J'ai envie de dire, Étienne, pour résumer cette aventure, c'est qu'ici, ok, c'est du luxe et tout, mais c'est surtout des armoires. Il y a que la douche qui est très impressionnante. Ah, ouais. On se rappelle de ces images. C'est très convivial. Le camping, c'est un des seuls endroits au monde où il y a un vrai mélange des classes sociales, quoi. Histoire qu'on vous rassure un petit peu. En termes de fraîcheur, c'est un four. C'est vrai? La clim ne fonctionne pas pour l'instant. Ouais. Donc on est content de sortir. Oh putain, ça me rassure. On a une vraie tuile à vous partager quand même. C'est que la télé sur V1, faut rester appuyé sur le bouton. Et j'y ai cru que c'était une tuile vraiment. Alors que je connais ces vannes à la con. Pour rester comme ça, comme des cons, ça dure au moins 4 secondes. C'est ça que vous appelez vacances, vous, dans le monde normal? Et vous? Et ben nous, puisque tu poses la question. Bah nous, la douche, bah y en a pas. Nous, on a pas compris pourquoi ça existe, ça. Bah c'est sympa. Non mais les gars, non mais rapidement, vous emmerdez pas, ça fait une demi-heure qu'on essaye de meubler sur cet objet. Ouais. On n'a pas réussi, on va pas y arriver à 4, d'accord, ça marche. Hein, vous voulez voir le nôtre ou on vous fout ouais, pas je veux bien, je veux bien. Regardez, quand on s'étire parce qu'on est fatigué, on fait ça, on fait... J'avais pas vu, on est 4 du coup. Vu qu'on est 4. Bon, on passe rapidement l'extrait de notre table pour les gens. Oh, une table de ping-pong miniature. Et juste par contre, Étienne, faudra qu'on se mette d'accord sur le programme de ce soir. Ah bah non, on a deux télés. Je te déteste. Je t'en prie. Le lit, il est surélevé. Moi, je vous dis ce qu'il y a là. C'est un garage pour mettre une voiture. Non, pas une voiture. Ah oui, c'est un bouton, tu vas quand même pas te faire mal. Oh oui, ils sont mignons, attention, vous êtes prêts? Vous ça, j'aime bien par exemple. Mais allez, te spoil pas, il est nul. Eh, mais pas la tête dans le cul de ma bagnole. C'est plus grand, beaucoup plus grand que la Tiny. Ah, tu rentres une Smart, hein, vraiment. Après, s'il y avait eu une Smart, on n'aurait pas vu l'installation EcoFlow. C'est vrai. Alors, des petits plans de coupe sur l'installation EcoFlow qui permet à ce véhicule d'être entièrement électrifié de manière simple et cohérente. Messieurs, direction notre spot. Vas-y, pousse. Oui, tu me dis si tu veux que j'y aille plus fort. Encore? Ouais, ok. Ok, top. Ok. Je crois qu'ils sont en train de se galérer à faire leur créneau. Moi, je roupie. Ah, on connecte les feux stop. Hop là. Et les vacances commencent réellement, Yvan. Allez, en route. Allez, en route. Direction la Bourboule. Direction Turquand, 1h10 de route. À nous la liberté, à nous les vacances, absolument. À nous le bonheur. J'ai jamais conduit avec quelque chose d'accroché derrière moi. Parce qu'eux, ils ont un chauffeur avec le permis qu'il faut. Oui, c'est vrai. Pas nous. Let's go. Tu t'es mis où, Étienne? Hein? Tu t'es mis où? T'as dit quoi? Tu t'es mis où? Où est-ce que je me mets? Ouais. Ici? Ok. Mais je t'appellerai. Ça marche. C'est vrai qu'on s'entend à peine. C'est ouf. Oh, il passe par lui, il est trop loin dans le véhicule. Allez, hein, 1h07 de plaisir. On a 1h07 pour trouver des idées pour soi aussi. C'est parti. On pensera régulièrement à regarder dans le rétro pour être sûr qu'il y a toujours la caravane. Oui, c'est vrai, ça serait chiant ça. je suis trop concentré. J'ai l'impression de vas-y, vas-y. Il nous dira quand il veut faire du frais, lui. Moi, il y a quand même un truc qui me fait plaisir dans tout ça. C'est qu'on a 1000 euros pour faire une vraie soirée. Chauffeur, c'était champion. Appuie. Ah putain, regarde, on se fait doubler par un. Oh non. Ça va, vous? La clim marche pas. Allez! Il y a vraiment deux visions du camping qui s'affrontent sur la route là. Les gens doivent se dire, ils sont ensemble ces gens-là? Je trouve pas très beau au final. Ah, mais je trouve ça chum au possible. On est un peu jaloux peut-être. Bon, je vais appeler Thomas pour qu'on parle de l'organisation de la soirée. Bon, alors qu'est-ce qu'on organise ce soir? Putain, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas d'idée, Yvan! Une pool party. Avec l'eau de la Loire. Ouais. C'est genre luxueux mais sale. Comme il est tellement loin et qu'on s'entend pas, je vais l'appeler. Hein. Qu'est-ce qui te vient? Oui, est-ce que tu veux me rejoindre à l'avant pour qu'on parle de l'organisation de ce soir? Ouais, ça marche, j'arrive. Ça roule.
Ah, dans 15 minutes? Je vais essayer d'aller vite, 10 minutes, ouais. A tout de suite. Ah. On achète un jacuzzi et on le met dans le garage. J'ai envie d'ouvrir le garage et de voir 4 mecs qui sont... On pourrait payer un animateur de camping. Ça, c'est génial. Un magicien, c'est marrant, c'est camping, je trouve ça drôle, le magicien, en vrai. Ah, il fait plus frais chez vous. C'est pas trop tôt. Bonne idée. Alors, on achète une boîte de caviar. On achète une boîte de caviar. Ouais, comme ça, si on veut pas se faire chier, on a ce plan, là. S'il nous reste une dizaine d'euros, on peut mettre un petit place, hein, une boîte, une cuillère, un peu doré. Un carton. Voilà. Ah, une cuillère en plastique, oui. Une cuillère en plastique, c'est drôle. Ouais, c'est le camping. Ouais, c'est ça. Moi, je peux ramener mon synthé, et on écrit une chanson, et il faut qu'on répète, du coup. Vas-y, c'est marrant. Bon, bah, je crois que c'est plié pour ce soir. On a quand même cette qualité de se mettre d'accord assez vite, en général. C'est vrai. Tu sais que finalement, pour ce soir, on est vraiment pas beaucoup mieux lotis qu'eux. Ah si, si, on est mieux lotis qu'eux. Ouais, d'accord, c'est vrai. Oh là là, regarde un camp de gens du voyage. Regarde le matos. Ils doivent se moquer de nous, ils doivent se moquer de nous. Qu'est-ce que vous en... Regarde, ils nous regardent. Ils nous regardent, ils nous montrent du doigt. Oh non, non. Ils nous montrent tous du doigt. Non. J'ai honte, j'ai honte. Je suis désolé, mais il n'y a pas plus expert que les gens du voyage en caravane, c'est normal. Pour ce temps-là, chez Yvan et Maxime. Ah. Wow. Un déguisement de mascotte, ça aurait été gaulerie, tu vois. On dit, il y en a un nouveau qui fait la mascotte. Mais c'est pas trop tard, ça. Tu penses? Et qu'il fasse une chorégraphie, tu vois. Et que les autres doivent faire la chorégraphie. Aïe, ça c'est drôle. Attends, quoi? Il passe? J'en sais rien. C'est drôle. J'aime bien. 16 tonnes et 3,50 m. Je sais pas quelle hauteur il fait, en fait. 3,60 m, 3,72 m. Je suis pas sûr qu'il passe le pont. Il y a un panneau, regarde, il y a un camping-car qui cogne le truc. Il y a déjà eu des problèmes. Il y a déjà eu des soucis. Oh, putain, bon, déjà, passe. Ça passe. Mec, c'est giga large, en fait. Oh, combien tu as payé de caution, toi? C'est vrai que c'est moi, au final, qui prends tous les risques. Putain, j'oublie ça. Tu payes tout. J'oublie complètement. Toi, tu vois le contenu, mais... Ah, moi, j'étais en mode, ah, ils vont savoir un accident, eux. La honte. Non, t'es large. T'es méga large. Oh là là, son rétro. Oh, wow, son rétro, c'est chaud. Mais gros, il y va, hein. Oh, putain, c'était à 2 cm. Oh là là, ça c'était un move à 10 000 balles, là. Ah, ça y est. Ah, là, il y va, là. Turcan. Nous y voilà. Eh, franchement, c'est ravissant. Pour l'instant, c'est ravissant. Turcan. Ah ouais, c'est insane. Sauf que nous, la caravane, on la tire sur la plage. On la met au bord de l'eau, là-bas, là. Allô? Ouais, Thomas, on est arrivé. Ah, il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Il y a des gens qui sont déjà sur le spot et ils mettent leur bus devant la vue. C'est terrible. Regarde, ils sont sur leur transat, j'ai envie de crever. C'est vraiment des camping-caristes, on vient de leur éclater la vue, c'est hilarant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de descendre la caravane au bord de l'eau. Je vais faire une manœuvre très périlleuse. Ils peuvent pas se rapprocher, eux. Nous, on peut. Donc, on va le faire. Regarde leur truc là, leur pot de yaourt là. Ça va gâcher la vue de personne, ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Très bien qu'ils s'encrassent. Ah, qu'ils s'enlisent. Ah, faut que tu serres à droite là. Allez, champion. Hein. J'ai trop envie de déployer ça. Pas nous lâcher avec vos caméras, vous. Barrez-vous. On est en vacances. Je veux juste déployer ma pergola, c'est quand même pas sorcier, non? Je suis en train de m'enliser là, je crois. T'as senti ce que j'ai senti? À quel moment on considère que c'est enlisé? Maintenant? Déjà? Caravane, on peut peut-être s'en sortir comme ça. Oh, bah je l'ai fait tout seul, putain. Ouais, champion. On l'a posé, on avance le pick-up. Ouais. Ils sont en train de s'enliser totalement. Je suis un bateau, une voiture. Wouh. Salut toi. Bon, après, si on fonce avec le camion, qu'on utilise ça pour faire tremplin, on peut peut-être les rejoindre. Wouh. Wouhou. Je me voyais déjà en train de creuser. Ah, je nous voyais à la pelle, là. Et on n'a pas de pelle, du coup, c'était à la main. Ah, je vois ce que chiant, tu... quoi. Chiant, vraiment. Bon, maintenant, je vais me garer et c'est ouais. Bon. Ça va, t'es content de ton spot? Non, il me fait juste qu'il y a des maisons en face. Normalement, on est mieux lotis que ça. Puis là, il y a un pick-up rouge aussi qui... Ah. Le problème, c'est que tu as une petite butte comme ça, là, et il y a ce côté un peu parking pétanque. Pourquoi qui est pas vous ouf. Vous mettez pas ouais, plus sur directement sur plus proche de la nature, non? Ah, bon, on peut, c'est vrai. Vous pouvez pas. Pourquoi on peut pas? Bah, votre véhicule est pas adapté. Ah, au bord de l'eau, ça c'est chiant. Vous, les gens aisés, vous êtes toujours un peu éloignés du... Non, puis tu sais, nous, on n'est pas trop tout ce qui est moustiques, insectes et tout. Qui... Ils ont un super super bon point, là. Je suis désolé, hein, mais voilà. Après, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, au moins, ça nous fera une barrière anti-moustique. Bon aménagement. Eh ben, ouais. Bon, l'idée, c'est que comme on a un véhicule habitable le plus léger au monde, on l'a amené ici, pas sans mal.
en se disant on en fait ce qu'on veut. Ça c'était la théorie. Je vous présente maintenant la pratique. C'est-à-dire on a remonté le pick-up parce qu'évidemment on va pas le laisser là. Maintenant on va tirer ça. Absolument. C'est bon pour toi ? Allez, c'est bon pour moi. Allez. Oh. 3, 2, 1. Ne bouge pas. C'est trop dur. Puis il est pas ouf le spot là, en plus. Il y a des lignes électriques, il aurait fallu la bouger là-bas. On va là-bas, hein, c'est ça. Hein. 150-200 mètres. C'est sympa là-bas. Sachant qu'il y avait un endroit pour la mettre, il y avait une autre passerelle, tu vois. Ouais, très certainement. On essaie de la pivoter ? On la pivote. Allez, on la pivote. Notre chauffeur va aller remplir le réservoir d'eau potable, puisqu'on a pu se permettre d'emporter notre véhicule personnel. On va pouvoir aller visiter les alentours. 3, 2, 1, et on pousse. Ah oui, d'accord. Oh, quel plaisir. Vas-y, on pivote, on continue de pivoter, donc on peut pivoter, on pivote. Ah, vous allez super bien dormir, là. Non, mais alors, c'est-à-dire, on remonte. Ah ouais ? Ouais, on remonte parce qu'en fait, il y a... Non mais en fait, c'est dommage, c'était une super idée quand même. Vous avez des petites boissons vous ? Ah les bâtards. Vous nous aidez ? Merci les gars. Van life ! C'est ça qu'ils font ? C'est ça qu'ils font quand ils se croient sur la route. Van life ! Putain, je croyais que c'était Linkin Park. Paf ! Alors ? Eh, je sais bien que la confiance est que je suis pas le contrôle, mais on va démarrer quand même là ! T'as géré de manger ? Avec cette voix, ce perso, ces vannes, j'ai pas envie de t'écouter sur tout ce qui est routier. Ok ! Encore un peu. Oh, ça aide vraiment pas. Attention, Range Rover ! Ouais. Bravo les gars. Normalement, il y a ça là. C'est bon ouais. Allez, zou. Zou, comme maintenant, on dit. Maintenant, on est on the road again. Wouhou ! La liberté d'Autriche ! Let's go ! What a fucking rider. Et nous ne le revîmes tout simplement plus jamais. On est arrivé à notre spot de rêve. Comme quoi, la van life est extrêmement simple. C'est bon, tu peux avancer. D'accord. Attends-moi. Goodbye. Pendant ce temps-là, je vais visiter le village de Turkan. Je me dis qu'on est mieux que dans leur four de merde. Ah, tu penses ? Regarde, mec. Non mais oui, c'est ça. T'es un homme de la nature, je te reconnais plus. Il y a une putain de ligne moyenne tension, là. Elle est magnifique. Je vais chercher un hôtel pour la nuit. Qu'est-ce que je vois ici ? Chambre d'hôte. Il est là. On se met à poil maintenant ou... C'est ce que j'essayais de provoquer, mais ça venait pas. Wouhou ! Extrême ! Passons maintenant à l'aménagement. Team Tiny. Oh, ça va ? Ça va, oh ? Ah, tu vois ? Voilà, c'est ce moment-là que j'aime bien. Ça m'énerve, la complicité, là. Ça va, c'est bon ? On est super complices ! Ouais, bah j'ai vu, ça va ! Quand on a fait comme ça ! Ouais, mais super ! Bon, on va essayer de prendre des affaires avant qu'ils nous chipent tout, comme ouais, ça. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on peut mettre des trucs derrière notre truc. Allez ! Bonjour, et bienvenue à Turkamp, saison 2022. Comme à chaque fois qu'on ouvre le camping à une nouvelle saison, il y a des tuiles. Ça arrive toujours, on en a un peu de calé entreprise. Première tuile, nous n'avons pas d'eau dans le spa. Sécheresse, chaleur. On a décidé d'aller siphonner le camping-car des voisins, parce qu'ils ont un camping-car de milliardaire qui a une cuve à eau de plus de 350 litres. Bon, on garde bien notre idée de caviar au bout du tapis rouge. Tout va être articulé autour du caviar, dans son rapport le plus malsain et sur la thématique de la boule finalement. Ouais, la boule. Et donc les bouboules, ça va se passer en 3 étapes. Mm-hmm. Massage, dégustation de caviar, dégustation de champagne et sol imbibé de boule et petit luminaire sympathique. C'est ça le programme de notre soirée. Est-ce que vous, ça vous plairait de le faire, vous ? Là, toi ? Oui. Je pense que c'est oui. Dites-le dans les commentaires, mais je pense que c'est oui. Bon, on fait une transition casquette. Évidemment. Ah merde, on est encore là. Merde. Ça fonctionne pas du coup. Tu veux faire avec la tienne ? Non, je casse tout. Je peux vous aider ? Je te sens super proche. Je peux vous aider ou pas ? Si on résume un petit peu la situation, on est loin de tout ce qui est eau douce. Ouais, d'accord. Et on aurait besoin de... quoi ? Au bas mot, 800 litres. Ouais. Trois fois rien. Mais vous auriez pu demander, ah, en fait. Ah, ça ! Non, mais c'est parce que comme vous êtes notre seul client, on s'est dit que si vous refusez, que vous le prenez mal, après vous n'allez pas venir à notre camping. C'est une vite. Ça va venir, ok ? Ça va venir. T'entends ? Mais c'est qu'il y a du délit en plus. Let's go. Mec, c'est une victoire de ouf là pour le camping. Ouais, ouais, absolument. La saison 2022 est sauvée, t'en as conscience de ça. C'est sauvé. On va faire du bénéfice cette année. On se retrouve dans notre tiny caravan. On a genre 20-30 minutes pour écrire tout le spectacle d'accueil du camping de Turkamp. De Turkamp, yeah. Tour de magie, chorégraphie, la musique. Du camping. On pourrait déployer le tapis rouge pour que ça nous fasse une avancée vers la plage. Oh mec, c'est une bonne idée. Et on pique le barbecue. Et le caviar, il est dans le barbecue. Très bien. J'ai eu un truc qui m'est venu en tête. Ouais. C'est ça commençait par « Au Turkamp, mon amour ». Turkamp pour toujours. Oh, la vue elle est insolente frérot. Ouais. On le met là ou on le met plus près de l'eau ? Oh, je pense que ça c'est bien, hein. Pour se faire chier en plein cagnard. Turkamp, mon amour. Ok.
nos tarifs sont affichés à l'accueil. Accueil, mais aussi sur turcamp.com. Fuck! Oh là là! Oh, elle est belle! Oh, dommage, elle est dehors! Je l'ai boisée. Ah, dommage, il y avait un échange. Je peux te demander de me placer cette pièce de 50 centimes sur cette carte, s'il te plaît? Merci. Ça oh. s'est transformé en billet de 1 dollar. Yes! Yes! Mec, on fait un truc. Tu prends ça. Vous voyez la boule là? Elle a disparu. À votre avis, elle est où? Et là, tu dis, Étienne, dans ta poche. On lui fout dans sa poche à voir. Mais limite, la prod le fait. Ça se fait easy, hein, mec, il est en short et tout. C'est agréable ou pas? Ouais, c'est un peu frais. Ça sent la et la merde. Bon, allez, j'ai dû le faire par solidarité. Ah, si, quand même, c'est agréable. Si, c'est sympa. On se fait chier quand on est riche. Turkem, c'est vrai, Turkem, le partenaire de vos vacances. Est-ce que ça, ça vous fait rêver, ça? C'est un aquarium de Yep avec de l'eau sale, croupie. Ouais! Il y a un accueil turcool! Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Je file derrière, tu vois, ouais. Je me change vite. Et on accueille turcool! C'est quoi la Corée? Ah, j'en sais rien, putain, je suis c'est nul. Genre, Turkem! Ah ouais, c'est bien. Turkem, le partenaire de vos vacances. Ouais, oui, oui, oui. Toi, t'as été au Club Med. Le soleil s'est couché sur la ville de Turkamp. Turkamp bien connu pour ses spots de van life. Messieurs, je vous propose que vous nous proposiez une proposition de van life, une propale. Bah, je vous propose d'avancer tout de suite. On recule, ça va, on peut se retourner. On peut y aller, ouais, allez-y. Bah, de toute façon, tapis rouge, comme dans toutes les vidéos construction. Jusqu'à présent, rien de, c'est vrai. Rien de dingo. Sans savoir ce que vous avez fait de votre après-midi, messieurs, il me semble que vous soyez éparpillés. Je pense que je peux le dire, ça se voit, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Ça, c'est vrai. Beaucoup d'arrogance. Ah, on a été cons, ouais. Nous, on a tout synthétisé sur un mot. C'est boule. Tout est autour de la boule et des boules. Il y a peut-être un deuxième mot qui est malsain. On a trouvé cet endroit malsain. Ouais, on ne plus malsain que malsain. Voilà. Okay, vous l'avez vu, c'est vrai que vous étiez mal à l'aise. Bon, il y a un petit côté. Il y a un double sens. Et on ne sait jamais trop sur la tendance. Le côté porno sur roue. L'intégralité du budget est en dessous. Exactement. Okay. 100 euros. Des boules à 100 euros. Plus un barbecue. Ils sont sous un barbecue. Caviar donc du Comtesse du Barry. Vous me mettez du caviar dans toutes les vidéos, la chaque la moindre opportunité. Non, vous allez quand même le déguster dans des conditions assez sympathiques. Okay. Okay. Maintenant on rentre dans l'opulence. Dans l'univers de la boule hein. Ouais, j'adore la boule. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand tu te rends compte que la personne elle sait d'où elle vient. 100 euros. Honnêtement je m'attendais à pas grand chose. Et elle respecte encore les traditions de la van life tu vois. Et là le lever de barbecue. Quand j'ai vu que c'était du caviar. Je suis pas fan du caviar, j'aime pas trop ça. Oh. Ah, il y a un petit son d'ambiance, ah oui. Effectivement, donc voilà. Oh. Avec... Ne vous détendez pas tout de suite, restez un petit peu d'énergie, vous allez passer dans la seconde pièce. Okay. Mais excusez-moi Étienne, je vous coupe, le mot détente est bien choisi. Ah, le mot détente est... Vous nous avez vendu du rêve pour ce soir, vous avez dit voilà, vous êtes pas prêts, vous avez passé une super soirée, on s'est dit bon, on va quand même les remercier pour ça, donc... Ouais. Vous n'avez pas encore vécu, qu'est-ce qui s'est... Vous allez passer un petit moment sur le lit allongé, on va s'occuper de vous. Puis peut-être que s'il nous reste de l'eau courante, vous pourrez prendre une douche après. Concernant l'eau, nous la thématique, vous verrez, c'est l'eau. Okay, très bien. Ce qu'il faut comprendre, parce que les gens ils n'ont pas forcément conscience de la topographie des lieux. Il s'agit d'un gros camion avec plus de 350 litres d'eau douce. En altitude par rapport à nous, puisque nous on est 10 mètres en dessous, vous êtes l'équivalent de notre plateau d'eau. Qu'est-ce que vous avez fait avec notre réserve d'eau qui n'est pas du tout remplie à 100%? Exact. Ah, je peux dire qu'il y a de la pression en bas. Il y a une étape avant de passer à l'étape d'après. Enlevez vos futales. Allez. C'est juste pour le plaisir qu'il t'a demandé ça. Ah d'accord. Au moment où je suis rentré dans le camping-car, musique relaxante, ça me parle. Déjà j'ai vu les ballons. Normalement les ballons c'est synonyme de fête. L'univers de la boule, je commence déjà à aimer. Mais là ce qui m'a vraiment marqué c'est que ça sentait la bite. Ça sentait, enfin... Puis Étienne, il ouvre la porte. Alors je comprends pas trop sur le moment. Hop là. Il me chevauche. Voilà. Il me chevauchait à la vache. Moi j'ai l'impression de le faire dans chaque vidéo avec Yvan, donc je pense que j'ai vu Yvan pas du tout stressé, tu connais son dos, quoi. Détendre. Ah, frère, je suis pas un bœuf de Kobe, hein. Ah, pardon. Ça va Yvan? Ah bah oui. Comme tu peux le sentir, ça a sué toute la journée. Ouais, ça glisse facilement et ça accroche en même temps. On peut passer à un niveau au-dessus en termes de détente si vous voulez. Ouais. Je vous invite à tendre le bras et à ouvrir le tiroir qui est juste en dessous de vous, s'il vous plaît. Oh, let's go. Et là, vous sentez que vous êtes en train tous les deux, au niveau de votre bas du dos, de passer dans l'univers de la balls.
T'es un café. Merci. Vous sentez cette douceur sur laquelle vous êtes, vous n'allez pas dormir ici. J'arrive pas à me détendre. Oui, c'est vrai. Ici, c'est l'endroit où vous allez passer 5 minutes et après, c'est terminé. Détrompe-toi, notre matelas est très confortable. Mais le vôtre, quand même, plus. Ouais, ok. Il a pris le chaud, non ? Testera. Ouais, il n'a pas eu le temps de le caviar. Ça n'empêche pas de retaper dedans, comme on dit. Hein. Vous avez payé combien le caviar, là ? Un peu comme sur toutes tes vidéos, Maxime, c'est pas vraiment nous qui paye. Alors, vous pouvez monter sur le toit de votre connerie, là ? Non, mais heureusement, non. Enfin, si, il y a des panneaux solaires EcoFlow. Bah, arrête de me chevaucher, ça me met super mal à l'aise. Ah, putain, on les voit ici, c'est vrai, tiens. Tu vois ? Les gars, je me rends même pas compte de l'endroit dans lequel on est là. Vous l'avez super bien décoré. On va passer de Las Vegas à Into the Wild. Let's go ! Ok. Voilà, ils ont commencé les massages. Est-ce que dans le droit du travail, se faire chevaucher par un salarié, c'est oui ou c'est non ? On se rend compte rapidement que c'est non, hein. Les bulles, quoi. Bah, j'ai tout de suite arrêté le tournage, quoi. On a discuté une petite demi-heure, histoire de remettre les choses à plat, mais c'est vrai que c'était carrément dégradant, quoi. Boule. C'est vrai que là, c'est le démarrage de la saison. Qui dit démarrage de saison, dit folle soirée. Absolument. Non, mais je vois juste un truc. Hein. C'est pas juste une sponsor EcoFlow, c'est une sponsor Turcamp aussi. Il y a des millions de personnes qui vous voient, messieurs. Allez, bienvenue à Turcamp. Venez à Turcamp. Oh, la tristesse. Pardon. Hein. C'est juste que j'adore Koh-Lanta, là, ça me le rappelle furieusement. Il y a des petits chips, il y a des petits cubes d'emmental, hein, alors on y va. Oh, il est bien chaud le fromage. Mm. Juste, c'est en supplément. Hein ? Je me permets de remettre. Alors. La tristesse. C'est vrai que. Mais moi, ça me fait mal au cœur. Notre douche de ce soir, elle est là. La douche de ce soir, la vaisselle de demain. Je pense que si on est 19 dedans, normalement, on a pipié. The tiny raven. C'est nul. J'ai senti qu'on vous a pas convaincu là sur le début de la visite de Turcamp, mais c'est le lancement de la saison 2022. Turcamp. Le fromage était tiède. Vous avez déjà mangé du fromage tiède? Ils nous ont niqué notre eau juste pour faire ça. C'est infâme. On a bossé toute la journée, il a fait une chaleur à crever. C'est pas du tout l'idée que je me fais des vacances. Un tout petit peu chafouin. Cher client, merci d'avoir fait confiance à Turcamp. Ouais. Bienvenue à la soirée d'ouverture de la saison 2022 Turcamp. Let's go. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Turcamp. Vous avez pris une réservation du samedi au samedi. Félicitations. Bienvenue à l'ouverture de la saison 2022 Turcamp. Oui. 1, 2, 3, 4. Turcamp, ok. Turcamp, c'est vrai. Turcamp, le partenaire de vos vacances. Turcamp, ok. Turcamp, c'est vrai. Turcamp, on vous rappelle que ce que le papier toilette est à votre charge. Turcamp, ok. Turcamp, c'est vrai. Turcamp, le partenaire de vos vacances. C'est pas fini, c'est le début, c'était un trou. Il y en a pour une heure. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation pour Turcool. Ok, Turcamp, c'est vrai, Turcamp, le partenaire de vos vacances. Le boulard, le boulard. Le super spectacle, c'était bien. Très très rapidement, une petite choré. Encore une fois, Turcamp, je me casse. T'es garé pas loin. On va passer au moment le plus attendu. Turcool, c'est avant tout un grand passionné de magie. Présente trois anneaux. On connaît tous ce tour. Ouais, tout, ouais. Turcool. Turcool. Je peux te demander, toi dans l'audience, tu t'appelles comment ? Etienne. Etienne. Cette pièce de 50 centimes oui. Sur cette carte. D'accord, attention. Je l'ai posée. Vous êtes tous témoins dans l'audience. Moi je l'ai vu même quand j'étais sur scène et je l'ai vu. Attention, cette pièce s'est transformée en billet de dollars. Oh, il l'avait en dessous. Il l'avait en dessous, on l'avait vu. Il l'avait en dessous de nul, nul en fait. Juste nul en fait. Juste chiant et nul. Le fromage est dégueulasse. Le magicien, le Turcamp. J'ai vu des magiciens. Il est pas magicien lui. Excusez-moi, je n'entends pas. Nul. Comment vous nul. Parlez. Je suis allé à Vegas, j'ai vu plein de tours. Non. Non. C'est décevant au prix qu'on paye en fait. Non. Et la danse ne changera rien. Non, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux, ça. Hyper dangereux. C'est Turcon, en fait. C'est Turcon, le mec. Ouais. Non, bah non. C'est gênant de ouf. Il est pas à l'aise, en plus. Ok. Turcon.
Ça sature, mais genre énormément. Oui, mais on l'a, ça va, oui. Il a appris le solfège, c'est bon. C'est endormi, le mec. Appelez les urgences, fais un AVC. Turcamp. Messieurs, vous ai-je présenté cette boule? Fais voir. Pas encore. Ta gueule, ta gueule. Ils adorent les boules, en plus. Ils adorent les boules, ta c'est gueule, vrai. En fait. Ok. Hop. Alors, elle est où, à votre avis? Là, elle est entre ses doigts. On la voit, en fait. Non, non, non. C'était peut-être une réponse, peut-être. Elle est où, cette boule? Dans la poche de Thomas. Dans la poche de Thomas. Thomas, tu peux regarder. Ils vont peut-être t'avoir quand même, là. Ouais. Encore un méchant tour de Turcou. Ok. C'est vrai. Le partenaire de vos vacances. Turcam, Turcam, ok, Turcam, c'est vrai, Turcam, le partenaire de vos vacances. Turcam, plus jamais. Non, j'avais dit en plus. Pourtant, j'avais lu des bons avis. Hein. Ouais, je pense qu'on s'est trompé d'adresse. C'est la dernière fois que tu choisis les vacances. Ouais, on peut s'applaudir. Turcamp. Ah ouais, Turcamp, le partenaire de vos vacances. Moi, j'ai passé un bon moment. Même si mon collègue, il avait l'air chafouin à côté. Bah, j'ai adoré. Je pense qu'en plus, j'étais avec les artistes. Ta gueule, en fait, ta gueule. Enfin, je les ai aidés parce que bah moi, je suis très dans le partage, parce que je suis un mec bien. Non, ils nous ont bien avec les boules. D'ailleurs, incroyable, j'en avais une dans ma poche à moi aussi. Turcamp. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Ecoflow, notre partenaire. Ouskavida. Ouskavida.